quand on reprend une œuvre comme ça, qui a été au répertoire d'une formation, on a l'impression de se mettre dans les chaussons d'un autre. Et c'est un petit peu ça mon boulot actuellement, c'est de préhender cette partition comme si les musiciens qui l'avaient joué ne l'avaient peut-être jamais joué. Essayer de proposer quelque chose. Alors il ne s'agit pas d'être original pour être original, il ne s'agit pas de faire le contraire d'eux pour dire vous avez vu, on peut faire le contraire de votre tradition. Au contraire, c'est d'essayer de coller à ce travail qui est tout naturel pour un interprète, c'est-à-dire de retrouver l'idée musicale telle qu'elle avait été imaginée par le compositeur. Quel est mon travail là-dedans? C'est évidemment de faire le minimum syndical, qui est de mettre les choses en place, de faire jouer les musiciens en même temps, de respecter les dynamiques, de respecter la partition, mais aussi de l'investir de quelque chose un peu plus qui est lié plus à l'émotionnel et plus, à, je dirais, à la perception qu'on peut avoir de cette œuvre. Et l'idée, c'est d'arriver à créer quelque part une logique qui existe déjà dans la partition, mais en tout cas à respecter cette logique de dialogue entre des idées qui sont extrêmement différentes. Il me semble que finalement, il y a une grande partie du travail d'interprétation qui incombe aux musiciens eux-mêmes. C'est un peu de la palissade ce que je suis en train de dire, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin quand je dis ça, sur cette partition. Tous les motifs qui sont écrits de façon extrêmement précise, sont composés de façon très, je dirais presque très déterminée, et ont besoin d'un soin particulier. C'est une musique qui est très soignée dans l'écriture et qui doit être soignée dans la réalisation. Le chef, il est un peu un chef de gare, il est là pour que les trains partent en même temps, arrivent en même temps, et puis il est là pour créer une cohérence dans l'écoute qu'il peut y avoir entre les musiciens. Mais je crois que ce qui est très important, c'est qu'aussi chaque musicien ait sa propre responsabilisation dans l'exécution de cette œuvre.